Au départ, je foutais rien au collège, je faisais que faire n'importe quoi avec mes amis au collège, quoi. Les collèges, ils m'ont convoqué chez la principale adjointe. Elle me disait, ouais, on peut te mettre, ils m'ont fait faire des stages et tout dans des trucs de comptabilité tout, pour que je trouve un peu ma voie, quoi. Moi, je pensais déjà depuis longtemps être un peu bouché, mais bon, voilà, quoi, c'était une idée comme ça. Hein. Comme j'avais une idée d'être taxi, des trucs comme ça, quoi, des idées à la con. Et là, après, les idées, j'ai vu qu'elles pouvaient se faire, donc je me suis mis en œuvre pour que ce soit possible. Mais surtout, à mon avis, le collège, je voulais plus se débarrasser de moi qu'autre chose. Allez, monsieur Mathéus, monsieur Cotreau, monsieur Chandelier, monsieur Potvin, monsieur Ezedine, monsieur Hortense, je l'ai vu, monsieur Diard. Bonsoir. Première fois que tu es aussi bien habillé, toi? Non, la semaine dernière c'était pareil. Monsieur. Ah bon, la semaine dernière c'était pareil? Oui. Monsieur Rassouli. Oui. Viens me voir. C'est ça que je voulais te montrer derrière. Regarde, quand tu mets ton tablier, en plus il y a la chemise qui dépasse. C'est quoi cette tenue? Habille-toi correctement. C'est bon, vas-y. Suite, monsieur Mathéus. Pareil, essaye de... Ah oui, toi, tu... D'accord, les cordons sont trop courts. C'est bon, vas-y. Allez, un couteau à désosser, un couteau à éplucher. C'est parti. En fait, je suis tombé dans l'autre patron. Il était sympa, mais bon, je ne possédais pas non plus beaucoup de gens. Donc ça me saoule. Là, je tombe là, il me manque de respect et tout ça. Et là, je vais en faire un autre. Si avec l'autre patron, ben, je travaille pas de viande, ça se passe mal, il me manque de respect. Ben, moi, j'arrête la boucherie, je fais autre chose, quoi. Parce que je suis pas là non plus, parce que si j'en fais juste, on voit trois, et que les trois, ils sont pareils. Et quand je parle au CFA, la plupart de ma classe, ça se passe un peu pareil. Après, ils se disent qu'il n'y a plus de boucher, ben, c'est normal qu'il n'y en ait plus. Quand on est en train d'apprendre, on nous traite mal, après, on n'a pas envie de continuer le métier. C'est sûr. Non, parce que l'autre patron, là, il a un peu la même façon de penser que moi. Donc je sais qu'il va bien me former, j'en suis sûr là. Franchement, s'il me forme mal, mais je sais pas ce que je fais, mais là le prochain, c'est sûr qu'il va bien me former. J'en suis sûr. Donc après, je verrai. Puis après, faut juste que j'apprenne et puis que j'écoute bien quoi ce qu'ils disent. Mais il va bien me former, c'est sûr et certain ça. Non, ça c'est autre chose. Attention, c'est ouvert. Bonjour patron, vous allez bien? Alors, comment ça va, Mickaël? Ça va et vous?